Donc, si vous arrivez à l'heure, avec plaisir, on commence à 8h30, on avancera la Gemara plus vite, on fera plus de choses, ce sera magnifique, vous êtes Hachem. Donc là, on est maintenant dans la Gemara, Brachot, Dafiu, Damoud Alef. On continue les Agadot. On a vu donc, on a vu un pasouk qui a été rapporté par la Gemara, Itamou. Tu as rattrapé tes cours d'âne ou pas? Plus ou moins, ce n'est pas bon signe. Itamou Chattaim Inaharetz. Ouais, on avait rapporté cet enseignement, ce pasouk dans Teilim. Il est où ce Teilim Itamou Chattaim Inaharetz, Eli? Hazak, 103, 104. Et on avait rapporté ça pour dire que le premier et deuxième Teilim s'en était un. Et pourquoi on a dit que le premier et deuxième Teilim s'en était un? Pour arriver à quelle idée, Jonathan? Pourquoi on arrivait à Itamou Chattaim? J'aimerais qu'on ait en tête tout le plan de la Gemara, la digression, qu'elle soit bien claire. Non, non, l'Amida, on ne commence jamais l'Amida par Itamou Chattaim. Mais non, qu'est-ce que tu racontes? Commencer l'Amida par? Par? Pourquoi on ne commence pas l'Amida par? Yule Ratson, pas Itamou Chattaim. D'accord. Il est à quel Teilim, Yule Ratson? 19. On m'a dit, comment tu dis? C'est un clôturé les 18 bénédictions, mais il est au 19. Si on répond, non, les deux premiers, ils en sont un. Et on prouve la même idée que, on rapporte un enseignement que David Amé, il a dit au 103, ouais, pour la première fois à Léluca, parce qu'il a vu que Ram m'a pas l'atteinte chez le Réchaïm. Et après qu'on ait vu cet enseignement, on a glissé l'enseignement de Broria, qu'elle explique différemment le pasouk. Ce n'est pas Mapal Latam Shel Rechaim, c'est Tshuvatam Shel Chataim. Et donc, elle a fait un jeu de mots avec Rotim, Chataim, etc. Et après, on a vu un autre enseignement qui est intimement lié encore. C'est qu'il y a encore une autre confrontation entre Broria et un monsieur, un méchant. Du coup, ce n'est plus un Birion, c'est un Zdouki. Et il a commencé à se la jouer. Je t'explique les psukim. Ouais, il dit, c'est quoi ce pasouk? Roni Akara et tout. Si, comment il peut être réjoui si elle n'a pas d'enfant, etc. Il s'amuse avec des psukim du Navi, envers lequel il n'a pas trop de respect. Elle lui répond, Bor Hashem, en galoute, le Ham Israël, il n'a pas mis au monde des Rechaim comme toi, qui vont tous au Gehinam. Donc la Gemara nous a apporté un autre enseignement de Brouya pour voir qu'en fin de compte, c'est pas qu'elle est smolanite, Chazé Shalom. Tout le monde est gentil, il faut prier pour eux, etc. Ouais. On prie pour faire tchouva, mais un mec qui veut dénaturer la Torah, ouais, eh bien, on lui dit qu'il mérite le Gehinam. On lui casse les dents. On continue. Un autre enseignement, on a fini avec Bruria, mais on continue avec un autre enseignement de, on va dire, de disputation avec un tzduki. Là, c'est avec Rabbi Abaou. Bah oui, là, la suite, quoi. Alors, le shur que je donne à Poleg, les mecs, ils ont acheté des petits post-it en forme de flèche et ils collent la flèche, ouais, sur la feuille. Là, on s'est arrêté. C'est pas mal. Léon, tu veux faire des frais? Oui, j'ai lâché. Des flèches collantes. Comme Spider-Man, des flèches collantes. Ouais. Amar le haouz duki le rabbi abaou. Donc là, c'est un Zouki qui a non pas agressé Broria, parce qu'il dit, bon, elle, il faut la laisser de côté parce qu'elle nous éclate. Ouais. Donc, il est parti voir Rabbi Abaou, le Zouki. Ce n'est pas forcément le même. Amarle Aou Zouki, Aou, c'est toujours Aou, Gavra, Aou, ça peut dire que c'est le même. Hein. C'est une façon de parler. Il y a eu ce Zouki, là, ce Zouki, là. Qui est parti voir Rabbi Abaou, Ktiv, Mizmor le David, Bevochum, Ibnaf. Tu connais, il est où ce Teilim, David? Donc il lit le Teilim comme une femme. Ouais, Mizmor le David, Bevochum, Ibnaf, Shalom. Marco, tu fais des fois les Teilim ou pas? Tu es parti de la chaîne et tout pour le foulard, hein? Ouais, vas-y. Impossible sur le 2.
Impossible de faire le 2 parce que non. C'est la Marakcho à Goïm le 2. Voilà, donc arrête de faire. Commence maintenant par la fin parce que le début, c'est pas terrible. Ouais. C'est le troisième. Le 2, on l'a dit, c'est la Marakcho. As-tu dire le 2 officiel? Ah, il s'en est bien sorti, Marco. Qu'est-ce qu'il est fort. Je sens qu'il a une destinée d'homme politique devant lui. Donc, c'est le 3. Très bien. Alors, il dit, alors, ce qu'il ne comprend pas, le Zdouki, bon, il y a plein de choses qu'il ne comprend pas, mais il ne l'avoue pas. Mais là, ce qu'il ne comprend pas, hein, c'est que, tiens, je ne comprends pas. David Ameller, il a commencé son Sefer Télim en parlant de sa fuite devant Absalom. C'est qui Absalom? C'est son fils qui est venu lui prendre le pouvoir, Nachon. Vektiv les David Mirtam Bevochou Bibne Shaoul. Et beaucoup plus loin, ça on ne va pas demander à Marco, mais c'est un télim un peu naze. Ouais. Nun Zain. Je ne sais pas quoi faire pour vous aider à retenir. Ouais. Donc quand il fuit Shaoul, c'est un peu naze. Ouais. Alors pourquoi maintenant David Ameller? Il vient nous parler de sa fuite devant Absalom au début, alors que beaucoup plus tard, il va nous parler de sa fuite devant Shaoul. Chronologiquement, Aurel, toi qui adore l'histoire, chronologiquement, il a fui d'abord devant Shaoul ou d'abord devant Absalom? Tu sais tout ça, Aurel, tu m'as caché. Arrêtez d'étudier sur le ski, ouais. Hazak. Et donc... T'entends ou pas, Aurel? Donc, cette question de... Elle est nulle, sa question de Zdouki, non? Dis-moi, pourquoi elle est nulle, Marco? Viens, on casse un peu du Zdouki ce matin. Parce qu'on ne peut pas toucher au Smolenim. Viens, on casse du Zdouki. Hein? Qui dit au Zdouki que David Ameller doit suivre leur chronologie, quoi? Surtout que c'est un livre lyrique, Tehilim. Alors, je vous ai déjà expliqué qu'un Zdouki, par définition, c'est quelqu'un de mauvaise foi. Il cherche les brèches. C'est comme les Meraglim. Même si Hachem, il te kaven les Tova, ils vont chercher les brèches. Quand maintenant tu parles à quelqu'un qui cherche les brèches, tu peux donner les meilleurs arguments du monde. De toute façon, ah oui, mais c'est comme ça, on peut dire comme ça. Quelqu'un qui cherche à poser des questions, ouais. Mais derrière, chez Rotsé, chez Adam Rotsé, la lechette, moi, tu veux maintenant poser des questions, elle ne va rien. Donc, dans ces marottes, on en parle des Zdouki, ce n'est pas tellement leurs questions qui nous intéressent. C'est plutôt la virulence de la réponse. C'est-à-dire, on apprend de ces marottes un principe général qui s'appelle Ta'anexil Keivalto. Quelqu'un qui pose des questions déplacées, massacre. C'est un grand sujet, en vérité. Ce que je suis en train de vous dire, c'est un grand sujet de comportement intellectuel. Il y a eu plusieurs périodes dans l'âme Israël où on a été confronté à des gens qui voulaient, déraciner les fondements du judaïsme. D'accord? Toute époque. Pourquoi? Parce que le judaïsme, ça demande un investissement personnel, ça demande des retenues, ça demande de ne pas être comme les goïms, ça demande plein de choses que certaines personnes n'ont pas trop envie. Ils ont envie de kiffer leur race. Ouais? Et donc, globalement, des fois, ils ont moins de conscience avec la Torah. Donc, il dit qui dit que les Chachamim, c'est vrai, qui dit que ça, et qui dit. Alors, on ne peut pas dire que Dieu n'existe pas, on ne peut pas dire. Alors, on limite dans certains trucs la Torah et le reste, on s'arrange. À toute époque, ça existe. Donc, à leur époque, leur problème, c'était les Zdouki. Il y a 200 ans, c'était là, ce qu'elle a. Ouais. Aujourd'hui, il n'y a plus de problème. Il n'y a plus tellement de problèmes. Aujourd'hui, il n'y a plus tellement de gens. Ouais. Qui viennent, hein? Ouais, c'est pas des discussions totalement. Moi, ouais, mais c'est pas tellement des discussions intellectuelles, quoi. C'est-à-dire, je me suis mis avec Christine, où est-ce que je peux faire la brit milah de mon fils? Bah, chez réformiste. C'est plus un problème social que vraiment une recherche de vérité, quoi. C'est-à-dire, je suis pas persuadé qu'il y a des gens aujourd'hui intelligents qui voient dans le mouvement réformiste une approche beaucoup plus profonde, beaucoup plus vraie que celle des sages, quoi. C'est plus un problème personnel. Je suis avec Christine, qu'est-ce que je fais? Ou je peux faire ma roupa, ou je peux faire la brit mila, ou je peux faire la bar mitzvah. Où est-ce qu'il y a un parking pour toutes les voitures Shabbat? Ouais, un grand parking.
C'est ça qu'ils ont comme problème là-bas aux États-Unis. C'est que... pareil pour les autres, c'est pas bon. Non. Tu veux dire pareil pour les autres, parce que c'est les arranger. Nahon, mais ils viennent avec la Torah. Ils viennent discuter sur la Torah, les réformistes. Ce n'est pas des preuves, des questions. C'est bon, on est comme ça, on est réformés, on est réformés. C'est un vieux mouvement, les réformés. C'est les héritiers de la Haskalah. Il n'y a plus de discussion, il n'y a plus de disputation. Là, on parle de disputation. La disputation des réformistes qu'on connaît aujourd'hui, elle a commencé avec Mendelssohn, ouais, qui est mort 6 ans avant la Révolution française, en 1786. D'accord? Donc, on est avant la Révolution française. La Haskalah a commencé à la fin du XVIIIe siècle, la Haskalah. La fin du XVIIIe siècle avec Mendelssohn. Et essentiellement, c'est tout le XIXe siècle qui est la Haskalah. Tout le XIXe siècle, c'est la Haskalah. Et la création d'État d'Israël, c'est les fruits de la Haskalah. On va créer un pays, on va pouvoir être juif, ouais, sans faire Torah et Mitzvot. D'accord? C'est l'héritage de la Haskalah. Parce qu'avant la Haskalah, ou t'es juif, ou t'es goy. D'accord? Et donc, toutes les discussions qu'on voit ici dans la Gemara, comment on réagit? Alors, la Gemara, c'est de dire, ben, tu prends pas de pincettes, tu rentres dedans, tu allais au Guéhenna, t'es nul, ouais. Et bien mettre face à la Haskalah, il y a eu différentes, comment dirais-je, réactions, comment réagir. Il y a eu la réaction de certains rabbins allemands qui ont fait copain avec eux pour essayer de... Chadal, lui, c'était spécial, il ne faisait pas copain, lui. Non, lui, il était aimé de personne. Il était aimé ni des orthodoxes, ni des... Parce qu'il avait des opinions originales, Bémet, bizarroïdes, j'ai lu un peu les opinions, c'est un peu bizarroïde. Mais il était très virulent contre les maskilim. Pour lui, c'était important l'halakha. Et il a vu dans le début de la Haskalah une volonté de se couper de l'halakha. Et au début, il était avec eux pour créer. Ils ont créé la culture juive, les maskilim, la culture juive. Qu'il n'y a pas que la Gemara, l'halakha, si la culture juive, on va faire l'histoire du peuple juif, la culture. Ouais. Et il a vu que c'était une volonté de se détourner de la Torah et des Mitzvot. Et donc, il les a abandonnés. Et il a écrit des lettres assez visionnaires sur la suite. Ouais. C'est pour ça qu'il est aimé de personne. Parce qu'il a des opinions un peu de maskil. Parce qu'il appartient au judaïsme. Le judaïsme italien, depuis toujours, il est très intellectuel, très philosophique. Donc, il descend de ça. C'est ça le problème. Il faut remettre les choses dans le contexte. Il appartient au judaïsme italien, que déjà depuis le Sforno, il y a des idées un peu originales. On voit les Italiens, c'est des grands penseurs. Des grands penseurs ouverts d'esprit. Et il est héritier de cette branche du judaïsme. Mais il a dépassé quelques lignes dangereuses. Pas trop, parce qu'il dit on ne touche pas à l'Halakha, on touche pas, mais il a eu des opinions sur les Chachamim, sur la Gemara. Non, il y en a carrément, c'est parti beaucoup plus loin. Ouais. Et donc, il y a Rav Hirsch, par contre, il a utilisé ce qu'on est en train de voir ici. On rentre dans le tas. Il était très virulent, Rav Hirsch. Très, très virulent. Bon, ça, il a coupé les liens. C'était un des seuls rabbins qui a coupé les liens avec le judaïsme, on va dire, ce qu'on appelle la rabbanout, avec le judaïsme. Parce qu'ils sont coupés les liens. Il va aller encore plus loin. Il n'y aura plus de limite. D'accord? Ils ont dit, si on coupe les liens, ça devient un truc complètement libre et ça ne va pas les dégâts. Ravir, j'ai dit, tu ne peux pas limiter les dégâts, c'est déjà trop. Je vois où ça va. Il était très visionnaire, Ravir. Je vois où ça va. Il a même parlé du sionisme laïque avant qu'il existe. Il a dit, et même, ils vont bientôt s'intéresser à Israël pour faire un pays sans Torah et Mitzvot. Il a écrit net sur ça. Ça va aller très loin. Donc, il s'est coupé d'eux et il était pratiquement seul. Il y avait des rabbins, Talmud et Chaim, ils ne sont pas coupés des réformes. On va essayer de les rattraper, etc. Et là, on rentre dedans. On rentre dedans. On rentre dedans. Mais pas tous les rabbins de l'époque, même religieux qui respectent la Halakha, voyaient la Gada comme étant quelque chose de profond. C'est le problème. Rav Hirsch, oui. Rav Hirsch, si maintenant il y a une Gada qui explique le passouk, qu'il n'a pas peur de le rapporter, alors que c'est un pashtan. Eux qui étaient très pashtanim, etc. Dans la Gada, c'est des sipourim. Des sipourim. Puis Rav Hirsch, c'était imbibé de Chachamim. Et dans Chachamim, on voit que on doit savoir rentrer dans le tas. On doit savoir rentrer dans le tas. Et encore une fois, il faut voir dans quelle est ta position. Je n'ai pas dit que quand maintenant on a
Il y a un mec pas religieux qui te parle, tu vas le massacrer, ça dépend. Pourquoi il est comme ça? Ouais. Est-ce que mettre un apikoros ou c'est un tinok shenishba? Je n'ai pas dit qu'il faut être violent. J'ai pas dit qu'il faut être violent. J'ai dit qu'un zduki, il faut être violent. Ouais. Avec un Gad Elmaleh, il faut être violent. Quelqu'un qui connaît le Hémet et qui veut maintenant le veut le salir, il faut aucune rachmanout avec lui. Mais que notre génération, c'est pas ça que je suis en train de vous dire. Notre génération, c'est des gens qui sont ignorants. Donc, c'est vraiment pas le message que je suis en train de vous transmettre. Mais il y a eu des périodes où ce n'était pas des ignorants. C'était des masculines. La plupart, ils ont étudié chez le Tzlar. Comme vous rappelez, on a parlé du Tzlar. Étudié chez le Tzlar, sur le Rabbi Emden, etc. Des Gdolé Olam qu'on étudie leurs livres. Et qu'ils ont fini certains Mosrim. Un, carrément, il a été Mosser à l'Empire autrichien. Ouais. Parce qu'ils voulaient ouvrir des écoles avec du profane, qu'il y a des Khedarim où ils n'étudient pas de profane, et ils se sont fait tabasser, ils les dénonçaient, c'est des Talmidim du Tzlar, avec des péotes et une barbe. Ils étaient Mosrim. Mamash Moser, c'était une période terrible. Quand il est mort, Shuel et Chassidim ont dansé sur sa tombe. Parce que les Chassidim ont beaucoup souffert des Maskilim, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Parce qu'ils ne voulaient pas du tout de rôle. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les chassidim, ils sont en retrait un peu de toutes les sciences, etc. Parce qu'ils ont beaucoup souffert des masculines. C'était vraiment le... Donc voilà, ici, on voit une période différente, pas les masculines, mais c'était entre guillemets les masculines de l'époque, les zdoukim, qui s'attaquent d'une manière... Bon, même Marco, il dit, bon, l'ordre chronologique, déjà dans la Torah, on dit « En mugda mura batora, c'est un besoin, dans Teilim, il y a un problème. » Donc la question n'est pas très vraiment... pas tellement, comment dirais-je, on va dire, déstabilisante, ouais, mais un amaret, on peut toujours séduire un amaret par des questions. On peut toujours séduire un amaret. Donc, ils avaient des questions comme ça, pour montrer, ah, c'est pas logique, c'est pas ci, c'est pas ça. Et qu'est-ce qu'il a répondu Rabbi Abaou? Rabbi Abaou, il a dit... On va refaire dans les mots. Ktiv mizmor le David Robib Ne Shalom, Beno, Vektiv. Et dans le Teilim Naz, le David Mirtam Bevorobib Ne Shaul Bemahara. Hema Seava Berecha. Quelle histoire s'est passée d'abord? Recha, c'est d'abord. Hema Se, Eze Maase. Hava Berecha, il y avait d'abord. Mirde, Are. Mirde, c'est Are. Maase Shaul. Are. Maase Shaul. C'est l'histoire de Shaoul, Ava Berecha d'abord. Azirtov Berecha. David Ameller aurait dû d'abord. C'est-à-dire, David Ameller, il vient maintenant nous traduire ses régachot. Ouais. Et voilà, il a des régachot et il se rappelle de comment il a dû fuir de Shaoul. Et puis après, pourquoi il doit d'abord parler de la fuite qu'il a eue devant Avshalom? C'est ça qu'il demande le Zdouki. Il est très, très fier de sa question. Amar, Rabbi Abaou, il a répondu, Atoun, vous. Atoun, c'est vous. C'est comme si je vous ai dit Atem. Atoun. Atoun. Delodarchitoun. Smourin. Kachalechou. Vous, de toute façon, vous n'êtes pas de Rech et Smourin. Il y a une façon des Chachamim de dédire de la Chod, ça s'appelle Smichout. Smichout. Ce qu'on a fait vendredi. On était de Resh Michout. Pour comprendre Bassar Vechalav, on a dû maintenant étudier différentes mitzvot qui côtoyaient Bassar Vechalav pour comprendre le sens de Bassar Vechalav. Que quand maintenant la Torah nous rapporte des mitzvot côte à côte, ce n'est pas anodin. C'est qu'à la même manière que dans l'arc-en-ciel, ouais, il y a un déploiement de couleurs de manière progressive, ouais, et harmonieuse. Pareil, les mitzvot, c'est un déploiement de couleurs progressive et harmonieuse. Ce n'est pas une mitzvot par côté d'une autre qui n'a rien à voir. Koulalma, Yodim, Kolatamaïn, Kolatanaïm, Dorish, Dorshim, Smurim, dans Dvarim, dans Dvarim, et Marloket. Dans le reste de la Torah, il y a une roquette entre Rabudai, Chamim, est-ce qu'on est Doresh, Smurim, dans les autres mitzvot. Mais dans Dvarim, Vaddaï, qu'on est Doresh, Smurim. Et il lui dit, Rabbeu, même dans Télim, on est Doresh, Smurim. Parce que ce n'est pas quelque chose qui est. Tu vois, parce que jusqu'à Dvarim, il y a quand même un développement un peu chronologique. Dans Dvarim, il y a quand même jusqu'à Dvarim, il y a quand même un développement un peu chronologique. Et des fois, on justifie
pourquoi on n'a pas suivi l'ordre chronologique, mais c'est quand même, c'est écrit de manière chronologique. Dvarim, non. Dvarim, c'est un discours. Comme Dvarim, c'est un discours, alors quand Moshe Rabbeinu, sous inspiration prophétique, bien entendu, il a fait son discours en mettant des sujets à côté des autres, c'est l'ordre est important parce qu'il n'y a pas de chronologie là-bas. Donc l'ordre, donc il y a une marloquette, il y a des Tanaïm qui pensent qu'on est d'Oresh Mokrim dans toute la Torah. Mais là, ils sont d'accord, non, on n'est pas d'Oresh Mokrim, mais dans Dvarim, va dire que oui, parce qu'il n'y a pas du tout de chronologie là-bas. Donc il faut donner une certaine structure là-bas. Donc la structure, elle est logique et non pas chronologique. Ouais, très bien. Dans Teilim, il dira, mais vous aussi, Kula Alma, on est d'Oresh Mokrim. Et on a pensé à l'inverser. D'accord ? Anan de Darshinan Smuchim, Anan, nous, de Darshinan qu'on est d'Oresh, Smuchim, une. T'as compris c'est quoi d'être d'Oresh Smuchim, Léon ? C'est quoi d'être d'Oresh Smuchim ? C'est-à-dire quoi être d'Oresh Smuchim ? David, c'est-à-dire quoi être d'Oresh Smuchim ? Il faut demander si vous ne comprenez pas. C'est quoi Aurel être d'Oresh Smuchim ? Les versets, même s'ils ne correspondent pas, enfin, il n'y a pas de sens entre l'un et l'autre, mais ce n'est pas pour rien qu'ils sont là après l'autre. Hazak ou Barouf ? David ? Un lien ? Pas un lien, une halakha. D'Oresh, nous en apprend des halakhot. Moi, je vous ai fait vendredi que maintenant, il y a des notions philosophiques qui relient une mise à côté de l'autre. Ça, c'est pas gênant de le dire. Sur ça, il n'y a pas de marloquette. La marloquette, je vais apprendre une halakha. L'halakha qu'on apprend dans Dvarim de Smuchim, c'est par exemple, hein ? Donne-moi une halakha de Smuchim qu'on apprend. Donne. Très connu. Une des bases d'halakhot qu'on apprend Smuchim. Ah, je vais dire. Vas-y, dis-moi. Ah, Chazak. Non, c'est pas ça. Ouais, bien sûr. Mais là, vraiment, celle où on apprend un truc choquant, c'est Tzitzit Chatnez. D'abord, on te dit Tzitzit, apprends Tani Chatnez. Et comme c'est côte à côte, on t'apprend qu'il n'y a pas d'Issur Chatnez dans Tzitzit. C'est choquant. C'est choquant. Et même, on apprend là-bas que assez d'Ochel Ota assez. Parce que c'est de psukim, il y a misa tassé tzitzit, tafia lo tassé. On apprend un halakha général de assez d'oché lo tassé. Parce que c'est de psukim sont côte à côte. Donc c'est des yesodot qu'on apprend. Ouais, ça c'est dans Dvarim. Et donc c'est pas des notions philosophiques comme je vous ai fait vendredi. C'est des halakhot. Halakhot, halakha les maasé. C'est pas écrit cet halakha dans la Torah. Mais du fait qu'on m'a mis ces deux mitzvot côte à côte, j'apprends une halakha qui n'est pas écrite dans la Torah. Le Tzuki dit, mais si ce n'est pas écrit, je ne fais pas. Ça s'appelle un des outils de déduction d'halakhot, des chachamim. Ce n'est pas de la philosophie, là. C'est des halakhot qui ne sont pas écrits dans la Torah. Mais Moshe l'a transmis aux chachamim. Certaines halakhot qui ne sont pas écrites dans la Torah, pourquoi elles ne sont pas écrites ? Pas besoin, vous devez les détruire d'une proximité entre deux sujets qui m'apprend une autre halakha que les deux sujets et qui est en commun avec les deux sujets. Vous me suivez ou pas ? C'est des halakhot. Alors ici, ce n'est pas des halakhot, ici c'est de la philosophie. Hein ? Mais eux, Bichlal, ils ont rejeté toute la notion de smichut, les tzedukim. Il dit « Anan, de darshinan smuchim lokashi alandama rabbi uchanan, smuchim la torah minayin » D'où Bémet, on a une asmarta, d'où on a un appui textuel qui illustre cette halakha les Moshe Missinai. Pourquoi je dis une asmarta ? Parce que c'est une halakha les Moshe Missinai, donc je n'ai pas vraiment besoin d'un pasouk. Toutes les midot chez Nidreshet Bahem à Torah, on dit à la fin des korbanot, ouais, on n'a pas besoin de tsukim, c'est halakha les Moshe Missinai qu'on a reçu, ces manières de déduire des halakhot. Ouais, Calva Homer, truc, toutes ces choses-là, on n'a pas des psukim sur ça. C'est Hachem qui a dit à Moshe, c'est comme ça qu'on étudie la Torah, c'est comme ça qu'on dit des halakhot. Mais là, si on a une asmarta, la malo. Alors, il y a écrit, c'est quoi l'asmarta? Smuchim, la'ad, le'olam, les smuchim pour toujours, asuim, be'emet, ve'yachar.
Le pasouk qui parle pas de ça, bien sûr. C'est ce qu'on appelle une asmarta. C'est dans Tehilim aussi. Smuchin la'ad le'olam asuyim be'emet ve'yachar. Donc, on a une notion de smichut, que c'est emet ve'yachar. Et donc, de là, on veut dire que c'est l'asmarta. On a une petite base textuelle qui illustre cette halakha le Moshe Misinai. Et donc, maintenant, après avoir expliqué donc, le point de divergence entre eux et nous, que eux ils ne sont pas d'Oresh Smuchim et nous, on est d'Oresh Smuchim, quel rapport avec sa question? Il a posé une question. Pourquoi on commence par la fuite de Avshalom? On aurait dû commencer par la fuite de Shaoul. Il répond parce que nous, on a les Smuchim. On ne sait pas pourquoi ça répond encore. Maintenant, il va répondre. Lama nismecha parashat Avshalom les parashat Gog ou Magog. Pourquoi la parashat Avshalom elle est venue après la parashat Gog ou Magog. Donc Avshalom c'est le Teilim Gimel, Gog ou Magog c'est le Teilim Bet Lama Rakshu Goim. Tu connais ce Teilim, Marco? Al Pipchat, les Mefarshim disent on ne parle pas de Gog ou Magog, El Pipchat. J'ai vu le Radak, le Van Ezra. On parle que David Ameller, il se fait agresser. Il se fait agresser et il demande une intervention divine. C'est Al Pipchat. D'accord? Que les Goïm, enfin les Goïm, quand il arrive au pouvoir, David Ameller, les Pilishtim, ils ont voulu le détrôner parce qu'il avait fait un serment d'allégeance quand il s'est fait capturer par eux avec le roi Lachish, je crois. Et donc, il dit, comment t'es devenu roi, ma pitom? Alors, c'est à nous, Israël, parce que t'es devenu roi, t'étais notre serviteur. Et donc, il demande une aide divine. Et ils sont battus donc contre Hachem, Vemeshichol a marqué. Non, comment il est marqué? Dis-nous, comment il est marqué? Tu te rappelles le passouk, Marco? Tu te rappelles ou pas? Pas exactement. Voilà. Mais le Chazal ont vu dans ce problème personnel qu'a eu David Ameller, ouais, qu'il a eu une inspiration en vérité pour un problème, pas uniquement qu'il a connu, mais que tout le Am Israël connaîtra un jour, qui s'appelle donc Gog ou Magog. Alors, c'est Gog ou Magog, c'est un truc incredible, puisque le Mashiach sera déjà venu. Ça, ils expliquent ici les Mefarshim. Alors que le Mashiach sera déjà venu et qu'il y aura déjà des miracles, il viendra donc nous défendre et nous rétablir à une certaine avancée historique. Et malgré tout, Gog ou Magog, qui sont deux peuples, Gog, c'est un peuple, Magog, c'est un autre peuple, ces deux peuples-là, malgré tous les miracles qui vont être retransmis sur CNN et BBC, ils vont oser, ces Rabrucci, ouais, oser déstabiliser la puissance messianique. Un peu comme un malaï. Ben non, mais il dormait dans la neige, le mec. Ouais. Il y a encore une petite carotte dans son nez, regarde. Ouais. Je peux pas, c'est trop loin, je peux pas. Je suis pas Batia. Ouais. Bah oui, ça te fera un petit rafraîchissement. Raza Gorel. Oh là là. Reviens en glissant, voir, reviens en glissant, c'est nous. Ah là là, je comprenais pas pourquoi tu marchais en canard. On entend que Gog, c'est le roi de Magog. Il faut l'entendre encore. Hein. Alors, la Gemara dit Laman ismecha parashat. T'adores appuyer sur l'hyperlien, mais moi, j'aime pas. Laman ismecha parashat avshalom, les parashat Gog ou Magog. Sheim yomar lecha Adam. Si quelqu'un te dit, c'est quoi cette prophétie-là? Que à Gog ou Magog, après que le Mashiach soit manifesté, il y a des gens. Donc, on va voir que c'est l'envoyé de Dieu. Il y a encore des gens qui vont essayer de s'opposer à ça, qui vont s'opposer avec le mouvement de l'histoire. Ouais. C'est n'importe quoi. Loïc a dit d'abord. Souvent, les gens ils posent la question, mais s'il y a des miracles, quoi. Est-ce qu'on peut, on a du libre arbitre? S'il y a des miracles, quoi. On va s'opposer au truc. C'est pas possible.
Si im yeshecha, im yomar lecha adam klum yesh evet shemored berabo. C'est pas possible de s'opposer à son maître. Et si on fait allusion, ouais, on fait allusion aux goyim qui vont s'opposer à Kadosh Baruch Hu et à son envoyé par Gog ou Magog. C'est possible de s'opposer à Kadosh Baruch Hu et à son envoyé après tout ce qui s'est manifesté. Ouais. Ah, fata et marlo, klou miesh ben shemored be'aviv. Tu diras, ben, le libre arbitre, mon ami, va très loin, le libre arbitre. Le libre arbitre va très loin. Quand un homme, il est entêté, il peut faire n'importe quoi. Ouais, n'importe quoi. Si maintenant, le machiar, il va toucher, ils vont faire des manifs, les mecs, aussi, quand ils vont venir au machiar. Plus de démocratie. C'est fini, la démocratie. La fausse démocratie qu'on a, ils vont l'enlever complètement. Plus de démocratie. Ceux qui mettent le Shabbat, quick. On va faire des manifs, les mecs. Il y aura des miracles, tout ce que tu veux, mais dis-moi, on ne va pas nous voler notre liberté. Ça va être la guerre. C'est l'Aftara de Souka. De Soukot. C'est la guerre. La guerre civile. Pourquoi? Parce que je préfère mourir que de me laisser gouverner par des Harelim, par des Rabbanim, par des Mekoubalim. On va lui dire, tu sais, que le Machère va dire, mais non, le Machère est venu, mais non, mais si. Et là, il ne comprendra pas, il va se battre. Il va se battre jusqu'au bout. Mais non, ce n'est pas possible. Quand il va venir HM et tout, et bon, les gens ils vont devoir baisser la tête. C'est tout. On le dit dans Alken, normalement, il baisse. Ouais. Non, il devrait accepter, normalement. Eh bien, ça va être un peu cafouillant, le début. Il y aura un grand moment d'épreuve, les amis. Dans quel camp je vous range? Ah, ils ont exagéré, les rabbanim, là. Ils ont été forts, quand même. Ah, quand même, c'est nos frères, quand même, les chilonim. Ils ont été forts, là. C'est un peu dur. Il faudra savoir... Il faut déjà, aujourd'hui, développer notre émouna trachamim. Si on n'a pas aujourd'hui émouna trachamim, quand viendra la machère, on aura un gros problème. Parce qu'il y aura une épreuve. Ça changera de toutes nos habitudes, petit judaïsme mignon, tout le monde est gentil. Ce sera une guerre, quoi. Aujourd'hui, Bémet, on développe la avatrinam. Mais Gog ou Magog, il faudra choisir son camp. Il n'y a plus avatrinam, tu comprends? Donc, qu'est-ce qui va nous sauver dans cette épreuve-là? Emunat Rachamim. Ce que le Rav, il a dit, je fais, c'est tout. Ça va contre ma nature, en malasot. Emunat Rachamim, en malasot. Comment? Alors, Chachamim, ils ont vu dans la Marak Shugoyim, qui sont posés Neged Hashem ou Meshicho, c'est une voix que Dedamer il a eu par rapport à Gog ou Magog, et que les gens qui ne veulent pas y croire, comme par exemple les Zdukim qui ne croient pas dans les Nevuot, ouais, croient juste dans le Pentateuch, mais c'est n'importe quoi, c'est faire Teinim et tout, n'importe quoi. Ils vont s'opposer à Hashem et Meshicho. Ah! Alors, il dit, bah, si maintenant tu n'arrives pas à te projeter dans ça, tu connais l'histoire juive? Quelle histoire de David, Avshalom, etc. Tu as bien vu? Alors là-bas, c'est quoi le rapprochement? Alors le Sefer Ayin Nediaou, il dit le rapprochement, c'est quoi? Il dit que de la même manière que David Améler, il a eu plein de miracles dans sa vie. Il n'est pas arrivé au pouvoir comme Bibi. Ouais. Il a eu plein de miracles. N'arrête ou pas? Ça a commencé par Goliath, et puis après, il a échappé à Shaoul, et puis après, il a des victoires miraculeuses, et des prophéties divines, et trucs. C'est pas n'importe quel roi, n'arrête. Et malgré tout, Absalom, il a eu le courage. Et Achitophel, un proche de David Améla, ont eu le courage, mais ils sont fous, quoi. Ils jettent dans la gueule du loup, ils sont malades. Ils s'opposent à l'élu de Dieu. Donc, t'as bien vu dans l'histoire qu'un entêté, il s'oppose à des choses vraiment très, très claires. Donc, en quoi ça t'étonne qu'à Gog ou Magog aussi, on va s'opposer au Mashiach? Le propre fils s'opposait au Mashiach, qui était David Améler, alors que les autres, plus éloignés, ouais, les autres juifs ne vont pas s'opposer au Mashiach. Donc, encore une fois, c'est un remède pour lui casser les dents. Ouais, qu'un homme entêté, il peut s'opposer à des réalités dévoilées. Vous comprenez ou pas? Deux pour le prix d'un. Oui, mais Amalek ne répond pas à la smichut des Teilim. Alors, c'est sa question. Amalek, ce n'est pas opposé au Mashiach.
Mais non, mais ce n'est pas du tout pareil. Ici, on a Gog ou Magog qui s'oppose, ça y est marqué Hachem ou Meshicho. Donc, il faut trouver quelque chose qui soit dans, la même, dans le même cadre. L'histoire de Avshalom, il s'opposait au Mashiach, qui était David Ameler. C'est tout, c'est la même chose. C'est la même chose. Et la différence entre Amalek, ouais, est-ce qu'on est en train de voir, là, c'est des Juifs. Gog ou Magog, c'est des Juifs qui s'opposent. Ouais. Ça n'a rien à voir. C'est des Juifs. Et Zdouki, c'est un Juif. Donc, on veut rester dans le sujet. Amalek, ça ne lui parle pas, Amalek. Tu comprends? Bien sûr, il est complètement juif. Il n'est pas cas. Il n'est pas Kouti, il est juif. Le Tzdouki, c'est un Smolani. Il est juif. Il est complètement juif. Il est même en général Cohen. La plupart des Kohanim étaient Tzdoukim. C'est pour ça que on le faisait jurer de faire la voda. Le Kohen Gadol, on faisait jurer de faire la voda. Les filles à Chachamim et pas les filles à Zdoukim, parce qu'il y avait une marloquette aussi, comme on faisait la voda à Yom Kippour. On faisait jurer. Vem Bochim, Vem Bochim. Le début de Maseret Yoma, ouais. En général, comme Tzadok, qui est le père de ce mouvement hérétique, ouais, je crois que lui-même était Cohen. Donc les Kohanim, c'était les gens riches. Ouais. Les riches, en général, ils aiment bien les hérésies. Ils aiment bien. Ils ont de l'argent, ils sont proches des Grecs, ils sont. Tu comprends? La Torah, ça toujours. Il y a marqué que Tamid Chacham, ils sortent des pauvres, ils ne sortent pas des riches. Il y a une mara comme ça. Les gens qui sont riches, ils ont des kifs, des trucs. Ils ont la tête ailleurs, quoi. Et les Kohanim, c'était une partie du Ham Israël favorisée. Par le maaser, par le truc, ouais. Ils avaient des maisons à Jérusalem, des trucs. Donc, c'était la bourgeoisie de l'époque qui était complètement nettoyée de l'intérieur par des idées hellénistes. Alors que celui qui s'est opposé à Alexandre le Grand à l'origine, c'était Shimon HaTzadik, qui était lui-même Cohen Gadol. Malheureusement, l'influence helléniste, ouais. Elle a fait son travail et il y a dans le Sefer HaMakabi marqué les Kohanim après la Ravoda, ils se mettaient tout nus pour aller faire du sport au gymnase. C'était mamash, oui, comme les Grecs. C'était mamash une catastrophe. Et donc c'est des Juifs les Tzdoukim. Vadaïk, c'est des Juifs. Grâce au christianisme, ils ont disparu. Grâce au christianisme, ils ont disparu. Tous ces Juifs hérétiques, ils sont devenus chrétiens. Mais avant le christianisme, c'était une secte juive. C'est ça, Sinatrina, moi. Il y a différentes sectes qui s'entretuaient. Il y avait les Birionim, il y avait les Prouchim, il y avait les Zdoukim, il y avait les Koutim, qui eux n'étaient pas juifs, mais c'était une marloquette. Balagan, quoi. C'était un grand balagan. Et il y avait aussi, à l'époque des Romains, il y avait aussi les descendants de Hérode qui avaient massacré les descendants des Hashmonaïm. C'est vache, tout un échiquier de balagan. C'est un grand balagan. Comment? Baïtoussim aussi. C'est très proche. Je sais pas exactement pourquoi il y a deux sectes. Mais ils ont la même hérésie, il n'y a pas d'Olam Haba, Chazé Shalom, et la loi orale, c'est faux, Chazé Shalom. Même les Ktuvim, c'est faux, il n'y a que le Pentateuque. Bah oui, parce qu'il y a écrit, l'Olam Haba est très taïtim, écrit dans les Nevim, son relègue sur les Nevim. Hein. Pourquoi ils se moquent de Teilim? Pourquoi ils se moquent de Yeshaya? C'est quoi Roniakara? C'est quoi Avshalom? Ils se moquent des Ktuvim, quoi. Donc je dis que c'est ici une gifle feutrée qu'on a pour le Tzdouki, un abruti qui veut s'opposer à la vérité, même quand elle est clairement visible, il s'opposera. Donc prends-en de la graine, mon ami. Vous me suivez ou pas? Vous avez compris le pchat? Il est sympa ce pchat. Pourquoi vous dansez pas? Alors on continue. Amar Rabbi Yochana, alors une seconde. Yesh Evet Berao Avata Morlo, Klum Yesh Ben Shemoret Beaviv, El Hava Achana Miava. Et là, il y a comme ça, Azachan a mis avant. Et là, avant, il y a eu. Ici, Nami, il y a. C'est-à-dire au sujet de. Donc, on a été sommaire.
Donc, c'est quoi la réponse, David? Pourquoi on parle d'abord de la fuite de David à Meler, devant à Shalom, avant la fuite de devant Shaoul? C'est quoi la réponse? C'est le sujet du Shur aujourd'hui. Oui, là, j'entends bien. Léon, pourquoi? Pourquoi David Améler, il a parlé d'abord sa fuite devant Absalom avant de parler de sa fuite devant Shaoul, et il n'a pas suivi l'ordre chronologique? C'est la question du Zouki. Est-ce que tu saurais répondre à un Zouki qui te poserait la question, Léon? Ou tu dirais, va chez Moshe Amar et la réponse. Aurèle, c'est quoi la réponse? C'est pas chronologique. Ouais. Non, c'est pas ça la réponse. C'est pas ça la réponse. C'est quoi la réponse, Jonathan? Avec le psaume 2. De quoi il parle le psaume 2? Et de quoi il parle le psaume 3? Et pourquoi on parle d'Avshalom et pas de Shaoul? Jonathan, pourquoi? Chazak Obaro. Que si tu me demandes quoi, quand il y aura Hachem à faire des miracles, il va amener le Mashiach, il y aura des juifs qui vont s'opposer à ça. C'est quoi ce Tilim Lama Rakshu et tout? Il y aura des gens encore qui vont s'opposer à ça. Là-bas, il est marqué Goïm, mais pas uniquement. Et il est... Tu comprends ce que je viens de répondre ou pas, David? Léon? Ouais, là-bas, on parle des Goïm plutôt. Hein. Là-bas, plutôt des Goïm, on ne parle pas des Juifs. Hein. Oui. On parle des Goïm. Dilamarak Shugoïm ou Leumim Yigurek Itiatsvu Malche Eretz Veroznim Venosdu Yachad Alashem Val Meshicho. Ça existe ça? T'as compris David ou pas ou toujours pas? Tu peux me dire, je suis là pour ça. C'est-à-dire que si maintenant tu as un problème, tu dis Stélim, il est faux. Toi, Zdoukit, il est faux parce que c'est pas possible de, c'est pas possible de, d'envisager qu'après qu'il HM, il ait dévoilé le Mashiach, il y ait tellement de miracles, etc., qu'on puisse s'opposer à lui. Parce qu'il y a marqué là-bas, hein, ouais, Itziatzvu à l'Hachem Valmeshicho. Ils se sont tenus contre Dieu et son élu. C'est pas possible, c'est pas possible. Contre Dieu et son élu, c'est pas possible. On dit, bah oui, regarde, si maintenant tu as. T'arrives pas à t'imaginer comment ça va se passer. Alors regarde dans le passé, comment Avshalom, après tout ce qu'il a vu sur David Améler, il a osé s'attaquer à l'élu de Dieu. Alors, Avshalom n'a pas été élu par un prophète. Hein. Comment il peut croire devenir roi sans avoir été choisi par un prophète? Comment il peut envisager un truc pareil? Vas-y, je t'écoute. C'est clair, Léon, la réponse ou pas? Non, toujours pas. Non, c'est vous, c'est rien. Non, vous, c'est rien. Alors, avant la question de pertinente de Dan, il faut que je quand même j'explique la Gemara pour tout le monde. Ouais, que, donc, il y a le Bzouki, il ne croit pas dans la parole des prophètes. Et quand les prophètes disent que le Mashiach va se dévoiler et qu'on verra clairement que c'est l'envoyé de Dieu, il y aura encore des abrutis qui vont oser se battre contre lui, qui n'aura pas peur de se battre contre lui. D'accord? Alors sur ça, d'ici quelqu'un, il ne croit pas à cette prophétie, comment c'est possible? Ben, tu es bien Avshalom, c'est un fou. Le fils d'Aïder, comment il pouvait envisager prendre le pouvoir sans qu'il y ait un prophète qui dit voilà, c'est toi qui vas avoir le pouvoir? Tu es bien qu'il y a des fous qui s'opposent à l'élu de Dieu. Dans le passé, tu as vu que ça s'est passé? Ben, dans l'avenir aussi, ça va se passer comme ça. Il y aura des fous qui vont s'opposer. Donc tu vois que quand quelqu'un il est entêté, il va jusqu'au bout. C'est pour ça qu'on a juxtaposé ces deux Tehilim pour te donner, si tu manques d'imagination, te donner une preuve dans le passé hein, qu'on a déjà vu une folie d'entêtement ouais, politique, et bien également à la fin des temps, il y aura ce même type de folie. Si tu n'y crois pas, regarde dans le passé, ça s'est déjà passé. C'est clair, David? Note. Oui, écoute, Dan. Oui, qu'est-ce qu'il y a, Dan? Un petit peu, mais... Donc, la preuve sur ce compris. C'est tout de suite, on apprend tout dans la Torah que là, c'est là-bas. Donc, on apprend très bien que comment est-ce possible qu'un peuple... Ben regardez, il y a bien un chôme qui a fait ça. Donc, il faut que je sois collé pour ça.
Il a quelque chose par rapport à Shaoul, non? C'est que... C'est une autre question, ce qu'il demande, Dan, ou pas? Alors, répète la question en français. Je veux apprendre, si je veux apprendre que de Avshalom, que c'est possible qu'un peuple il se... Ouais, contre la vérité, pas vrai, j'ai pas besoin que je fasse ça, moi. On va dire à l'envers, si Avshalom, c'était ailleurs, j'aurais pas pu apprendre que... J'aurais dit, comment c'est possible qu'un peuple... Bah, regardez Avshalom, c'est son père. Mais qui te dit que, si c'est pas Samour, qui te dit qu'il y aurait une question? Qui te dit, Birklal, que le Tehilim, il vient maintenant, hein, il veut coincer quelqu'un qui a une question? Le Tehilim est en train maintenant, hein, ouais, le Tehilim est en train de parler d'un certain sujet, un peu fou, que les gens vont s'opposer contre Dieu et son Mashiach. Ouais. Nous, on croit dans le Tehilim, donc nous, on n'a pas la question. On a dit, mais pourquoi on a mis Avshalom juste après? Ben, Nien. Ah, parce qu'il y a des gens qui ont la question. C'est-à-dire, ton genre de problème, c'est. David Ameller, il a déjà repéré ton genre de problème. C'est-à-dire, cette question, il peut y avoir des gens qui ont cette question-là. C'est face à ta question, ouais, face à ta question, qu'on a voulu rapporter juste après. C'est-à-dire, on pourrait étudier Stélim sans se poser la question, il y a une prophétie, truc, etc. Mais pourquoi on met Avshalom? On cherche un rapport entre les deux. Puisqu'on est où, on est de Resh Mouchim, on cherche un rapport entre le 2 et le 3. Et quand je cherche, qu'est-ce que ça peut être le rapport? Qu'est-ce que ça peut être le rapport? Ah ouais, dans les deux, il y a une rébellion contre l'élu de Dieu. Ah, bon, très bien. Et c'est pourquoi on a voulu maintenant mettre le doigt dessus. Parce que c'est une question pour certains. Donc c'est pour balayer ton type de question. Mais toi, tu n'as pas de smoukhim, donc tu restes avec tes questions. C'est une remarque aux Zdouki. Toi, tu as des questions, mais tu as tellement peu d'outils d'interprétation que tu restes avec tes questions abruties. Nous, on a smoukhim, alors on peut maintenant essayer d'approfondir certains sujets. Toi, tu n'as rien pour approfondir, tu restes avec tes questions, parce qu'on ne peut pas, il n'y a pas de méthode de déduction d'après toi. Donc, c'est une remarque feutrée contre le zouki. Toi, qui n'as pas de moyen d'approfondir les versets, donc toi, tu as une question et tu vas rester avec ta question. Mais nous, on comprend que ça vient répondre à une certaine question. Le genre de question que tu peux avoir, d'ailleurs, que toi, tu es touché par le même mal. T'arrives à t'opposer, ouais. T'arrives à t'opposer, ouais. 2000 ans, je ne sais pas combien de milliers d'années de massorettes et de trucs, et nanana. C'est une situation morale. Vadaï. J'ai répondu à ta question, Dan, ou pas? La smichout te montre sur le ridouche ici du Tehilim qu'il ne faut pas passer à côté. Sur la smichout, il y a différentes notions dans ce Tehilim. D'ailleurs, les Pashtanim, ils expliquent la Smichout. Les Pashtanim, ils expliquent la Smichout. Une seconde. Eux, ils disent. Alors, c'est. Qui c'est? Attends. Ah, d'ailleurs, le Tosfot Arosh ici. Je crois le Tosfot Arosh. Il rapporte le Rashbam qui explique la Smichout. Et il dit comme ça. Il dit où j'ai vu ça. Ouais. Ouais, d'accord. Alors, je vais voir, je ne trouve pas ici. Je vais voir. Quoi, tu t'en vas déjà, Léon? Mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? C'était pas... J'ai repris tout pour toi et tout. Regarde, je fais des efforts. C'est où le radar qui est sur bête ou guimel? Voilà. Voilà. Vefchar kinismar zamizmor la chair les fanav, les fiches et pilishtim baouel David, les horaires à la meloucha et les achemimo.
Donc le lien, le pipchat, c'est que les Pelishtim, donc comme je dis tout à l'heure, ils sont opposés à David en tant que roi, etc., et à la décision divine de le choisir comme roi, alors Avshalom aussi. Donc c'est une remise en question de la décision divine. Al-Pipchat, c'est par rapport au Pelishtim. Al-Pidrash, c'est par rapport au Gagumagog. Mais c'est la même chose, quoi. Le Pshat et le Drash, c'est le même sujet. C'est la même smichut. D'accord ? C'est clair, les amis ? Qu'est-ce qu'il y a, Nissim ? T'as retrouvé tes camarades ? Ouais. Est-ce que tu as travaillé un petit peu ta vocalise ? Là ? La vocalise. La vocalise, ouais. J'ai vu que vous m'avez mentionné deux fois. Vous entendez hier, d'ailleurs. J'ai beaucoup de retard. T'as beaucoup de retard ? Au cours du 8 février, hier. On est le 19. Ouais. T'as 11. T'as une équipe de foot entière de retard. Ouais. Quoi, t'étais vraiment débordé ou bien c'est. Bon, si je te dise. C'est bon, Dan, c'est bien, on s'en est bien sorti ou pas? Bon, je te remercie, je reviendrai. Amar et Ranan, Mishum Rabbi Shimon Ben Yochai, Mai Dirtiv, Pia, Patra, Bechochma, Vetora, Tresed, Aleshona. Vous connaissez ce pasouk ou pas? Incroyable, quoi. Une femme, quoi, tout ça, elle peut avoir. Tu connais cette chanson, Jonathan? Vas-y, fais, tu peux nous le faire, Nissim? Ah, bah, le chef-trail, je ne le connais pas très bien en termes d'air, mais. Ouais. Nul. Donc, t'as un retard aussi de vocalisme, mais grave, ouais. Ça, oh là là, on dirait un exped. C'est quoi ce truc là? Pia patra bechokma. T'as eu un peu le Ruach HaKodesh. Pia patra bechokma ve Torah tresed aleshona. Keneged mi? Amar Shlomo mikraze lo amru ela keneged David. Bien sûr, on a une question, quoi. On peut parler d'une femme comme ça? Chorma, un truc. Non, c'est pas ça la question. Non, il faut censurer. Mais le. Non, ça, ils ne comprennent pas. Mais le. Donc, Pitra, Pia Patra Bechorma, Vetoret Resed Aleshona. Ça fait allusion à qui, cette histoire? Shlomo dit c'est à papa. J'ai fait une chanson pour papa. Shlomo Mela a fait une chanson pour son papa. Il dit Keneged David Aviv Shedar Bechamisha Olamim. Je n'ai pas compris cette expression Shedar Bechamisha Olamim qui a. Eh bien, ça a mis longtemps hein, le petit déj là. Merci pour son papa. Pas terrible hein, le Mishloach. Hein. Une heure et demie pour arriver. T'es renvoyé de Walt, je ne sais pas comment on appelle ça là-bas. David Ameler, il vit dans cinq mondes, David Ameler. La cinquième dimension, vous vous rappelez ou pas? Alors, il dit, Vamar Shira, hein, David, il a dit dans cinq domaines bien différents, dans cinq dimensions différentes, il a dit une Shira, David Ameler. Dar Bemerimo, quand il était dans le ventre de sa mère. Vamar Shira, c'est quoi Amar Shira? C'est quand il a dit Bachi Nafshi. Tu connais Bachi Nafshi ou pas? C'est vrai? Oh non, Alpi Kabbalah, on ne le fait pas. C'est qu'Alpi Kabbalah, on ne dit pas ça. C'est qu'on ne dit pas Alpi Kabbalah, Bachi Nafshi, tu sais. Ben, le Kabbalah, le Pi Arizal, on ne dit pas avant. Je crois. Ouais. Il y a cinq Bachi Nafshi, les amis. Il y a dans Tehilim, David Ameler a dit cinq fois Bachi Nafshi. Donc Shlomo Ameler a dit, c'est pas par hasard. Tu savais ça, Nathan, ou pas? Je pensais que tu avais un cerveau qui arrivait à occuper tout le Sefer Tehilim, mais tu avais des trucs Bachi Nafshi 5. Dans tout le Sefer Tehilim, enfin, en vérité, Bachi Nafshi, c'est écrit que dans le Sefer Tehilim, c'est facile. Bachi Nafshi, dans le Sefer, tu en as 5. Hamja. Alors, pourquoi il a dit 5 fois Bachi Nafshi David Ameler? C'est ça la question. Ah, parce que son âme a loué à Kadosh Baruch Hu dans 5 contextes différents. Et Shlomo Ameler fait l'énumération des 5 contextes. C'est quoi les 5 contextes? Premier contexte, il était dans le ventre de sa mère.
Mammon. Et qu'est-ce qu'il a dit? Quand il était le ventre dans sa mère, il a dit, j'ai perdu la ligne. Bahri nafshi et Hashem kol kerava et Hashem kochi. C'est le premier Bahri nafshi. Vous savez où est-ce qu'il est ce Bahri nafshi? Vous savez où est-ce qu'il est ce Bahri nafshi? Dans Kouf Gimel. C'est la transition qu'on irait, non? Parce que là, pour l'instant, elle fait une belle transition des Mamarim les uns avec les autres. Kaniré, c'est la transition, non? Non? Mais nous, c'est Kouf Dalet, en vérité. Ouais, Bahri Nafshi. Et ça finit par... Ouais. C'est manien, parce qu'on est avec le Kouf Dalet. Pas avec ce Bahri Nafshi. La transition avec le Kouf Dalet. Le Kouf Dalet, ou Bahri Nafshi également, ouais. Donc, on revient encore au Kouf Dalet. Le Kouf Dalet, qui a été amené à cause du Leratson de 18-19, a entraîné tout ce qu'on est en train d'étudier maintenant. D'accord ? Non, c'est important ce que je suis en train de vous faire, parce que ça permet de mémoriser le chaklet de la Gemara. Ce n'est pas Stam. Des fois, les mecs ont étudié la Gemara, je ne sais plus ce qu'on a vu. Non, c'est, tout est bien lié, tout est bien construit. Voilà. Et c'est Neymar Barrenachim, une seconde. Kol Vechem Kochi. Yatsa la vie à Olam, il est sorti, il est né, David est né. Nistakel Bakoravi Mazalot. Oh! Et qu'est-ce qu'il a dit? Amar Shira, Shem Bachi. Hashem Melachav Gibore Koar Ose Devaroi. Lishmoa Bekol Devaroi. Bahu Hashem Kol Tsevav. Donc, Melachav Tsevav. C'est les envoyés divins dans la voûte céleste. Donc, autre Bahri Nafshi, quand... Donc, il y a dans le ventre, c'est... Après, en sortant... Et ensuite, on continue. Yanag Mishdeimo. Il a fait un... pas d'avoir chez Herva, ça s'appelle un membre qui est dévoilé. C'est un pile-poule ici que je ne vais pas vous faire. Va marcher Neymar, Bahri Nafshi et Hashem, Ve'altishkechi, Kol Gemulav. Ouais, Gmila, c'est être sevré. Il y a un jeu de mots. Gemulav, c'est les bontés divines, mais il y a la chaîne Gmila. Maï Kol Gemulav, va marcher Be'osha, Salo Dadim, Bimkom Bina. Ouais. Hachem, il a fait un grand chesed quand l'homme, quand à quel jour il a créé la femme, la chose. Quand Hachem, il a créé la chose, alors il a fait un grand chesed. Il aurait pu lui faire la poitrine comme chez les vaches. Parce qu'il y a beaucoup de points en commun. Donc, il aurait pu faire la poitrine comme chez les vaches. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, pas marié. Vas-y, mets-lui des greguelards dans les oreilles. Et comme ça sera ribattre à la... Donc là-bas, c'est que les vaches, elles ont les mamelles à côté des membres défécatoires. Donc le veau, quand il allait, dit c'est dur la vie quand même. Ouais. Le veau, il dit bon, le monde ne sent, ça sent pas si bon cet univers. Ouais. Alors que Hachem, il a créé la femme, que sa poitrine, c'est l'endroit du lève. Alors, David a dit, c'est beau quand même, le petit David. Alors bon, on n'est pas en train de parler du bébé, d'accord? C'est-à-dire, je pense que c'est rétroactivement ici, ouais. Il a réfléchi que te rends compte dans le ventre de ma mère, Hachem, ce qu'il a fait. Et quand maintenant j'ai pu ouvrir les yeux et voir l'immensité du monde dans lequel Hachem m'a plongé. Et après, voir comment il a créé la femme duquel j'ai pu m'abreuver. J'entends des voix. Julien est partout. Il est en train de lui résumer son ski.
Kedé sur l'istakel bimkom erva. Hachem, dans sa grandeur infinie, il a fait que l'enfant, pour pouvoir grandir dans la Kdusha Vetahara, il n'a pas besoin de voir la herva de sa mère pour téter, contrairement au veau. Rav Matna Amar, Kedé shelo inak mimakom tinofet. Ou bien pour ne pas voir la herva, ou pour ne pas être en contact avec la puanteur de la sécrétion animale. Ra et David Ameler, il a vu Beruah HaKodesh, la chute des Rechaim. Ra, Bema Palatan, Shel Rechaim. Donc on revient à notre connexion avec Tet Amud Bet. Ouais. Vamar Shira, Shenemar, Itamu Chattaim Inaharetz, U Rechaim Od Enam. Bachi Nafshi et Hashem. Alléluia. Nistakel, Beyom Amita, Vamar Shira, Shenemar, Bachi Nafshi et Hashem. Hashem Elokai, Gadalta Meod, Hod Vadar, Lavashta. Alors, la Gemara demande d'où on voit que c'est Mamita, Bachi Nafshi et Hashem. Donc, mon âme vient bénir Dieu. Dieu, mon Dieu, l'éternel, mon Dieu, Gadal Tameod, tu es immensément grand. Od Vadar Lavashta, tu t'es revêtu de préciosité. Voilà. Maï Mashma, d'où on voit qu'on parle de Mamita? Hein, Nathan, tu vois qu'on parle de Mamita dans ce pasouk? Je suis content. De Alium Mamita Neymar. Non. Maï Mashma de Mamita Neymar. Point d'interrogation. Amar Rabba Barbar Shila. Misefa Denyana. Non, à la fin, on voit. Parce qu'il est écrit dans le Teilim. Dans le même Teilim. The same. Tastir Panecha. Lorsque tu détournes ta face, Hachem. Iva Aloun. Ils vont être terrifiés. Tosef Rouham Igbaroun va augmenter leur roi. On inspire un bon coup. C'est bon. Vivaoud. L'agonie. Ah, mais Farchim, il demande attends, c'est quoi cet embrouille-là? Bahri Nafchis au début de Tehilim. Ce truc-là de la mort, c'est à la fin du Tehilim. Qui dit que le Bachi Nafshi, il est sur la fin du. Il est au début. Tu m'as trouvé que dans ce Tehilim, on parlait de plein de trucs. Et un des trucs qu'on parlait, c'est de la mort. Mais qui te dit que le Bachi Nafshi, il est sur la mort? Attends, tu m'embrouilles là. Ah, t'as vu ça? Non. Mais si, à la fin, la fête. Bon, on va voir. Attends, je vais te le lire, le Tehilim, il n'y a pas de problème. Le Tehilim, c'est dans Kouf Dalet. Non, Yonatan, reste là. En zoom. En zoom. Pourquoi Bachi Nafshi et Hashem? C'est l'âme. L'âme. L'âme, elle est où matérialiste? L'âme, elle cherche qu'à manger. Où l'âme, elle cherche à s'élever Hachem. L'âme qui cherche qu'à manger, c'est l'âme en table. Donc, c'est pas bon, ça, c'est copyright. Et si c'est l'âme qui veut s'élever, c'est Bachri Nafshi et Hachem. Au lieu de s'attacher aux petites choses de ce monde, et Yom Amita, non, on remercie, on glorifie Hachem. C'est une glorification, Nathan. Pourquoi tu détournes les choses de leur contexte, si jeune? Kaftet. Aucun rapport, Dan. Kaftet. Est-ce que vous voulez que je parle moins fort pour que vous puissiez discuter avec plus de confort? Moi, jamais, la pause n'existe pas chez nous. On n'a pas le temps, il faut qu'on avance avec Mara, on a plein de choses à faire. Si tu confesses avec mort de Pessah avant Pessah, moi je ne fais pas besoin de Pessah avant qu'on ait fini jusqu'à la Mishnah. Donc, il faut qu'on trace. Donc, il faut que tu viennes à 8h30, c'est fini l'époque des vacances. On va le faire, mais il faut avancer. Tastir panechai ba helun, tosev ucha mikvarun, vel afaram yeshuvun, tishlar ucha barun, vel tahadesh ben adamai, hevod Hashem l'olam yismar Hashem, b'mahasa v'amabit l'aret v'tirad. Ah, v'tirad, t'as vu? Amabit l'aret v'tirad. On va le dire à vos basses, moi aussi. Iga beharim ve yeh'ashanu,
Ashira la Shem bechaya yazamera lelokai beraudi arav el lavzi hayenok tinas machba Hashem tamu atavzera barida jeune. Attends, là on est de Kaftet, on est la Médé. C'est quoi cette proposition ignorante? Barinashi, donc il est pris en sandwich là. Qu'est-ce que tu mets? Le Kaftet, il est au milieu. Pourquoi tu me connectes le Bari du Nafshi au Kaftet, le 1 au Kaftet, et tu ne peux pas me dire que le Kaftet, il est lié au Lamed E, parce que le Lamed E, je l'ai déjà utilisé hein, pour ma Palatine chez Rechaim. Lui, il a déjà été pris en otage. On a 5 Bari Nafshi dans tous les télis, mes amis. On a pris plein de chiffres hein, avec ces Gmarot. Que Iliratson, c'est dans le Teilim Yutet, que le Teilim de Rosh Chodesh, il est dans Kouf Dalet. On a appris qu'il y a 5 Bari Nafshi. Qu'est-ce qu'on a appris encore comme chiffre? Oui, que Hachem, c'est Fatay Tiftar. Il est dans le Pasuk Nunalev. Rappelez ou pas? Que Avshalom, que Shaoul, c'est le Teilim Naz. Nunzaïn. Ça fait très la mémoire, tout ça. Ça ne te chauffe pas ce genre d'exercice, toi? Tu préfères le trivial poursuite? Donc, c'est ça la question. Alors, j'ai vu un pirouge très sympathique, par contre, qui dit... Bon, c'est un peu mystique, mais bon, que je fasse, ça m'arrive. C'est que au moment de la mort, d'où il sort son truc déjà? Je ne me rappelle plus, attends, je vais voir. D'où il sort cette preuve? Tu connais la mort? Comment ça se passe, toi, Nissim? Non, que quand des fois tu nous chantes et que tu n'es pas inspiré, alors la mort est préférable. Moi, j'avais entendu qu'au niveau, enfin, juste avant de mourir, la personne reçoit toutes ses forces. Tous les slamim chez eux. De quoi les croix? Non, mais pas les slamim, les slamim. Il a les slamim. Il reçoit tout. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'il se réveille généralement un petit peu avant, et puis il va bien, etc. Et puis après, pas. Enfin, ah. J'ai entendu ça. Et s'il ne se réveille pas un peu avant, c'est qu'il était vraiment fatigué, c'est-à-dire. Ouais, ça. Ça s'appelle mourir naze. Et donc, Khazak, alors, Khazak, t'as entendu cette chose-là? Maman, je vais te le lire maintenant. T'es prêt ou pas? T'as pas peur? N'a pas peur. Donc, j'ai vu ça, ce Shabbat, c'était sympa. Mais je ne peux pas écrire Shabbat. Alors, j'ai appuyé très fort avec le doigt pour retrouver le truc. Mais Kaniré, le doigt, il était mou. Ouais, je ne vois plus. Alors, je vais le retrouver comme ça, sans le doigt. Voilà. Voilà. Ah, quel horreur! C'est tout cette histoire. Alors, Mitat Arishaim. Pourquoi Mitat Arishaim? Non, c'est pas ça que je veux. Nistakel Bermuta va marchira. Non. Il n'y a pas. Ça m'énerve, c'était... j'ai vu un truc super sympa. Yom Amita marchira. Peut-être c'est là. Alors voilà, c'est là, c'est dans la note. Dans la note de Métifta. Ah, il adore la pause, Julien. Ah, il est marqué comme ça. Ah, c'est le Tzlar. Le combattant des Maskilim. Ah, c'est un Yerushalmi. T'entends ou pas? Toi aussi, tu es dans une Yeshiva Yerushalmi. C'est un Yerushalmi. Yerushalmi de Avodazara. Aussi un Yerushalmi de l'Avodazara. Regarde. Chez Akadosh Baruch Hu, écoute bien. Tu vas pouvoir établir tes connaissances, asseoir tes connaissances, Nissim. Akadosh Baruch Hu, Mare la Tzadikrim, Lole Kulam, Mare la Tzadikrim, Kodem Mutam, je ne pas tout le monde, Mare la Tzadikrim, Kodem Mutam, Et Relkam Ametukan Laem Leolam Abba. Juste avant de mourir, et quoi? Veka Relkam ou Asagot Abore. Et c'est quoi le Ikar de Olam Abba? C'est la connaissance de Dieu. C'est une perception plus palpable, hein, non pas de la réalité divine qui est incommensurable, mais la proximité à Dieu, on va dire. Se rapprocher de la réalité divine. L'accéder, c'est impossible, mais
C'est ça tout. Ils rapportent le Rambam, les mecs. Que toute la Neshama après la mort, ouais, elle vient se délecter de sa connaissance de Dieu. Il y en a qui ont voulu interpréter le Rambam, il faut étudier de la philosophie, etc. C'est pas ça qu'il a voulu dire. C'est la proximité avec Dieu dans la vie, la proximité avec Dieu dans les mitzvot, la proximité avec Dieu dans ses pensées, pas l'étude de la philosophie. Ouais, c'est clair ou pas? Vous me suivez? Non. Et donc il veut l'expliquer comme ça. C'est qui dit ça? C'est le Tzlar. Il dit comme ça, il dit « Mashmot akadouf tosef rucham igva'un ». Tosef rucham, il y a une tosefet ruach qui va entraîner l'agonie. Shelifne mitatan akadosh bochou, mosiv akadosh bochou asagad gdolot berucham, Hachem va leur donner une telle connaissance de la réalité divine que leur réalité corporelle ne va pas tenir, ça va péter de tous les côtés. Comme on dit avec le Maman Arsinaï, ouais, ils sont morts. Parce qu'ils ont une telle connaissance de la réalité divine que leur libre arbitre a été annulé, ils n'ont pas pu tenir, ils n'ont pas pu survivre à ça. Alors en vérité, le moment de la mort, c'est un peu comme Maman Arsinaï. Ils vont sentir la... Il y a des mecs, quand ils meurent, ils ont le film de leur vie. On voit écrit, c'est l'inverse. Ils ont le film du Olam Haba. C'est l'inverse. Alors, celui qui voit le film de la vie, c'est le rachat. Parce qu'il est accroché à ce monde. Anilodea. Où c'est écrit dans une mara qu'est le film de la vie, je ne sais pas si Bémet c'est écrit. Mais nous, on voit que les tzadikim, ils ne voient pas le passé, ils voient l'avenir. Donc, si le mec il commence à mourir dans le film de la vie, il dit attends, on arrête tout là. On recommence à zéro. Ouais, je ne veux pas voir le film. Et tu te concentres et tout sur Hachem et Mitzot. De bon ou pas? C'est t'as plus ce truc-là, non? T'adores ces histoires. Hein? Non, dans la bleue, ils ont mis ça? On dirait il y a un slar. Ouais, il est bien le slar. C'est ça qu'il a dit le slar. Gadalta, c'est-à-dire Meod Gadalta, il est tellement Hachem, il a été grand. La connaissance d'Hachem était tellement grande, Beyom Amita. Hein, c'est pour ça que c'est Meramez Beyom Amita, Gadalta, Meod. Comme ça, il explique le slar. Bachin Hashet Hashem et le cas Gadalta Meod ou Meod Mashmaou Kol Mashenitan Lirot Begdulato Veazman Sheshayar Lirot Egdulat Hashem Baolamaze Basagot Gdulot ou Rak Bezman Amita. C'est fort quoi, on voit qu'il était Baki Bayerushalmi. Sans Yerushalmi, il n'aurait pas pu inventer cette histoire là. Il ne peut pas dire comme Nissim, j'ai entendu qu'on m'a dit. Ouais. Il va donner une preuve quand même pour son pirouche. C'était beau, pas Yerushalmi. Et tu restes encore un peu. Vas-y, il faut que tu y ailles. Tu as 11 jours de retard. C'est vrai, mais mec, Blinéder. C'était pas clair l'histoire du Tzlar, tu veux qu'on la refasse? Quand tu as dit ça, du coup, pourquoi tu as besoin de tester le palais? T'as bien rêvé, toi, normalement. Ouais. J'avais fait... ne délire pas, je ne veux pas que tu arrives ici en pyjama avec ta couette non plus. Hein. C'est que des histoires. L'histoire de la philosophie juive. Ouais. Qu'est-ce que tu dis, David? Dan, vas-y, explique à Élie. T'as compris? Élie, explique-moi, c'est quoi? C'est quoi la question? D'où la question, c'est d'où on voit que Bachin Nafshi, c'est Yom Amita, et c'est quoi la réponse? Vas-y, je t'écoute. D'où on voit que c'est le Yom Amita. C'est quoi la question? D'où, de quel Bachin Nafshi on apprend qu'il a vu Yom Amita? Bachin Nafshi est Hachem, Hachem et Lokai, Gadel Tameot, Od Gadel Lavashta. Voilà. Et on apprend de la Seifa du Tehillim. Voilà. Qui est Tastir Panecha et Balon Tosefet Rucham Ibaoun. Voilà. Voilà. Alors, la question, c'est quoi la question qu'on a sur cette explication de la Gemara? On ne comprend pas si on lit le début du. Bachin Nafshi, ouais, c'est le premier passou. On ne voit pas le qui parle de la mort. Donc, ce n'est que dans le passou Kaftet qu'on parle de la mort. La Gemara, d'où tu apprends ça du passou Kaftet? Continue, Gemara. Dirtiv, dans le passou Kaftet, Tastir Panecha et Baloun, Tosef Rucham Ibaoun. Tu continues, la Gemara? Ouais, tu continues, mais explique-la surtout. Le Tosef, quand il va avoir une. T'en vas toi aussi? De cette peau, c'est pas une peau, c'est mon ami Élie.
Il n'a pas le transformer en pause, le pauvre. Il va avoir une Tosefet de connaissance de Dieu, c'est ça la mort. C'est le Tzlar qui dit ça. Et comme ça, on explique la Gemara. Mais on voit que déjà dans le Bachinafi, on voit déjà un remèze à ça, parce qu'il est marqué Gadal Tameod. Bachinafi Gadal Tameod. C'est-à-dire que j'aurai une connaissance de ta Gdoula Meod au moment du Yom Amita. Parce qu'il y a marqué Gadal Tameod, mais Tosef Rucham. Donc c'est pour ça que la Gemara a pu relier le Bachinafi à ce passage-là. Non, elle a relié le Gadal Meod à Tosef Rucham. C'est puissant ce qu'il a dit, le Tzlar. J'ai bien aimé son pirouche. Bien qu'en général, je ne suis pas toujours avec lui au niveau du pshat, mais là, c'est puissant. D'après le Gros Chalmi, sans le deuxième passage. Tu n'as pas compris. Gadal Tameod, d'après le Gros Chalmi, sans le deuxième passage. Gadal Tameod, c'est la Gdoula d'Hachem à Sagot. La Gemara dit le deuxième passage qui. Parce que là-bas, on ne sait pas que Gadal Tameod, ça parle de la Mita. On a le Gros Chalmi qui dit la Gdoula, je ne sais pas quoi. Mais dans le passage, on ne voit pas que ça parle de la Mita. Après le tzlar, il a besoin d'outils pour construire une maison. Oui, mais le pré-passouk. Mais Galdal Tameod, c'est-à-dire, il est grand, c'est où quoi? Les outils, il a pris un peu plus après. Donc, on n'a rien gagné pendant l'histoire. On n'a rien gagné. Il est au derech du Meod. Mazé Galdal Tameod. C'est une doula. Michur les malins, mais anormalis. Où est-ce qu'on voit cette doula dans le Teilim Kouf Dalet? Où est-ce qu'on voit qu'il a reçu quelque chose de particulièrement grand? C'est dans Passouk Kaftet qui a marqué Tosef Rucham. Tosef Rucham. Tosef Rucham. C'est pareil, il y a 29 psukim entre eux. Dans Kaftet, et ça, c'est la fin. C'est-à-dire qu'il faudra faire tout le Tehilim pour voir quel est la transition d'un passouk à l'autre par Evo Kaftet. Il y a l'autre qu'on a besoin de dire tout ça avant pour Evo Kaftet. J'entends ta question. Au début, on parle du ciel, après, on parle des anges, et après, on parle des montagnes, de la mer, la pluie, je ne sais pas quoi, des animaux, des oiseaux, de la pluie, du blé, du vin. Encore des oiseaux et dans les arbres et tout avec leurs trucs, des montagnes encore, Assa et Ariar, la lune, les Moadim, ça c'est pour ça qu'on fait ça à Rosh Chodesh. Ouais. Assa et Ariar, les Moadim, Shemesh, Yadam et Voho. Ouais. L'obscurité, la lumière, les lionceaux, le soleil, l'homme qui va travailler au rythme du soleil. Ma Rabu Maasecha Hashem. Donc après avoir fait une énumération, là on commence à revenir sur le Bachinafshi. Marabou Maasecha Hashem. Marabou, tu sais ce que c'est un marabou en français? Marabou Maasecha Hashem. Kulam bechorma asita, malares kilalecha. Et là on reprend. Zayam gadalta. Shamaniyud, on parle de la mer, des bateaux. Et Kulam Elecha Yisaberun, tout le monde, ils placent leur confiance en toi de donner la nourriture, leur nourriture en leur temps. Et Titen Laem Ilketun Tiftar Kadecha Isbiratov. Tu vois, là, on n'est plus dans la, comment dirais-je, on n'est plus ici dans la description des créations divines ici, mais on est en train de parler des louanges des hommes ici, tu as vu? À partir de Kavzaïn, Kulam Elecha Yisaberun. Titen lem il ketun tiftar yadecha isbeuntov tastir. Par contre, im tastir panecha ibaralum. Ici, on décrit la dépendance à Dieu. Que si à un moment Hachem il arrête de donner, tosif rucham ikvaun velachem yashuvun. Alors il y a une question, parce que c'est tosif rucham. T'arrêtes de donner, ça va rajouter du rucham. Alors là, après on recommence. Je sais pas, faut étudier tout le Tehilim, moi. Je sais pas, on va mettre. Moi, tu dis ça répond pas très bien parce que il dit que Hashem Gadalta Meod, c'est Tosef Rucham. On est là d'ailleurs.
Si tu aurais dû ramener Yerushalmi, Vezéou. Ouais. Si Yerushalmi, il est Merumas dans le Kaftet, c'est ça le problème. Yerushalmi, c'est pas un Passouk. Yerushalmi, il est Merumas dans le Kaftet. Je sais pas quoi te dire. Je sais pas comment expliquer différemment le Pipchat, c'est de moi. D'accord, on finit le Sedmara. C'est comme on a dit, dans lequel il s'est projeté, comme qu'il nous, quand on dit rétroactivement le futur, il y a rien qui parle de ce qu'il a vécu vraiment en toute conscience. Quoi. Encore un truc, ouais. C'est pour ça que ça veut dire qu'il fait tout. C'est un que l'ignorance. Ouais, c'est... Juste pour que Eli comprenne, tu réponds à quelle question? Ah, c'est un autre sujet, parce qu'on était en train d'expliquer pourquoi 1 et 29. Ah, d'accord. Donc, c'est quoi les 5 mondes? Donc, vas-y, maintenant, il demande pourquoi on a parlé des 5. Il a vécu dans 5 mondes. Et c'était quoi ma question? Il y a eu Mamita, ouais. Mamita, c'est pas des trucs qu'il n'a pas vécu, quoi. Nahan. Il a vécu, mais sans conscience, quoi. Tu dis, il n'y a rien de vécu dans toute cette liste. Ou des choses qu'il n'était pas conscient, ou des choses qui ne sont pas encore arrivées. Sympa. Hein, c'est des choses qui sont inscrites dans l'âme, quoi. Bahri Nafshi. Ou par rapport au passé, ou par rapport à ce qui va se passer. C'est l'âme qui sait, quoi. Ça, Bahri Nafshi. Et donc, il est dans. C'est-à-dire que Hachem l'a mis dans des mondes caché de nous. C'est ça qui est Darbecha Mishalamot. Tout le monde naît, tout le monde meurt, mais Hachem a dévoilé à David le vécu de l'âme dans ces moments-là. Razak, c'est un beau pirouge, Dan. Tu as bien fait d'être venu, de ne pas avoir trop allongé ta pause. Et quel rapport avec ce qu'on a dit au début? On a dit... vous avez compris, ça j'ai besoin de toi, Dan, il est marqué au début, mais essaie de prendre des sacs qui ne font pas de bruit. Marqué comme ça, il est marqué Pia Patra Bechorma Vetora Tresed Eshona, Ma Kesher. Je veux dire, Ma Kesher. Pia, on a été d'orage le pasouk de Shlomo HaMeler. Pia Patra Bechorma Vetora Tresed Eshona, Ma Kesher. Quel rapport? C'est terrible, non? Pia Patra Bechokma et Torah Tressé dans les chemins. T'as rien compris à ce marche, hein? Quoi, sur la bleue? De blue? Il parle par rapport à la mort, le marche, à lui. Ouais, mais il veut expliquer par rapport à la mort. Vas-y, lis-nous le marcha. T'as une idée, Julien, ou pas? C'est ça tout un peu, non? Quel rapport? Pia Patra Bechorma. Il y en a qui disent ce que j'ai dit, hein. Le marcha dit comme j'ai dit. Il dit, on peut pas parler de la femme quand même. Ah non, le Magid Taluma. Quand elle mit du gradier. Oui, il va parcha de la chaîne Machal Shel Jvar Isha. Je ne peux pas dire que Pia, ouais, la Chorma, c'est la Torah. Je ne peux dire que la femme, elle a de la Torah dans la bouche. On a vu dans Sota, Amelamed et Bito Torah, Kelou, Melamda Tiflout. On te rappelle d'un ou pas? Donc, ça, c'est sur. C'est pas sur la femme, c'est sur son père. Quel rapport? Et pourquoi il parle de la chaîne Nekeva? Compliqué ça. Tu as compris la question ou pas? Ça ne t'intéresse pas tellement le sujet. T'as mal à la tête? Tu veux à Kemol? Hein?
On a vu ici David qui nous dévoile ce que sa Neshama se rappelle et ce que Neshama verra. Il y a 5 dimensions cachées de nous que David Améler a eu en inspiration prophétique. Je l'ai bien dit, Dan, ou pas ? Il y a 5 mondes cachés de nous que sa Neshama a ressenti de manière prophétique. Nous, on ne se rappelle pas de comment on était dans le ventre. On ne se rappelle pas de notre naissance, on ne se rappelle pas de notre allaitement, on ne sait pas ce qui a se passé dans Mapalatan Shereshaim et de Mamita. C'est 5 mondes qui nous sont cachés quelque part. Et David Améler, sa Neshama, elle sait tout ça. C'est-à-dire qu'Hachem l'a transmis dans son inspiration prophétique, ce que la Neshama ressent à la naissance, et quand on sort du ventre, et à l'allaitement, et qu'est-ce qu'on va ressentir à Gog ou Magog, qu'est-ce qu'on ressentira à Mamita, d'accord ? Ça, c'est l'explication de la Gemara. Maintenant, quel rapport Pia Patra Bechokhma Betorah Tressed Hashana ? C'en est, il dit, en ce pasouk-là, et Meramez à David, qui a dit 5 fois Barchi Nafshi. Je vois pas le rapport. Bah, vas-y, dis-moi le marche. David. Il dit que c'est parce que c'est le Olamot. Le Olamot, c'est un Nekeba, alors c'est. Il a pris un Lachon Nekeba. C'est pas terrible parce qu'il y a quand même moitié des mots qui sont masculins, moitié des mots qui sont féminins. Que maintenant, le Olamot, c'est au féminin, bon, ça ne suffit pas pour dire que. Tu comprends ? Il y a plein de mots qui sont féminins. La salade verte aussi, c'est au féminin. Voilà, je préfère qu'on dise Roi Kodesh que Lamotte. Parce que le Roi Kodesh, moi, s'appelle Bat Kol, pas Ben Kol. Il dit ça ou pas? Il dit Bat Kol? Bat Kol, pourquoi c'est au féminin Bat Kol? Il dit Roi Kodesh. Ou alors un F. Un effet. Le Roi Kodesh est féminin. Mais pourquoi Torah précède à l'Eshona? Ça ressemble un peu à Hachem, c'est pas Taï Kiftar. Un lien qui part. Pourquoi je t'entends pas? Je dis ça ressemble un peu à Hachem, c'est pas Taï Kiftar. Il n'y a pas un lien qui part. Bah, s'il y a un lien, il faut que tu me le dises parce que j'ai pas suffisamment d'imagination. C'est quoi le lien? Ah non, tu fais un jeu de société très dur. Ouais. C'est quoi le lien entre un chat et une branche? On parle aussi de la bouche, de l'inspiration divine là-bas. Ah. Mais la Pia Patra Bechorma, Torah Tressel, j'ai pas compris. Je n'ai pas encore l'idée claire, mais D'accord. La question, s'il n'y a pas. Pas quelque chose, pas un message. D'accord. Je vais conclure, ça vaut. Non, mais c'était pas mal aussi quand on n'entendait pas. Et Nathan Hazak. Alors, donc, il veut dire comme ça que c'est un remez, donc à la Neshama, d'accord, la Neshama, que Pia Patra Bechorma, Vetora, donc elle a perçu, la Neshama, elle perçoit des choses profondes. Ouais, la Neshama, le Nefesh, perçoit des choses profondes. Ouais, et dans cette profondeur, on voit la bonté divine. Donc il y a une perception de choses que les autres ne voient pas, dans laquelle la Torah trécède à l'Eshona. La Nafshi, Barechi, Nafshi. C'est-à-dire qu'il y a une bracha ici. On voit ici dans le ventre de sa mère, il voit quelque chose de divin, ouais, dans la naissance, toujours la bonté divine. Ouais. Donc c'est pour faire le lien entre la réflexion de l'âme, de ce qui est en train de se passer, Chorma, Vechesed. Comme ça, on pourrait peut-être expliquer. On continue. Qu'est-ce qui est dommage? Non, je suis resté pour la fin. C'était pour la fin quoi? La femme. Ah, la femme, elle? Bah, je sais pas, le truc qu'ils disent, c'est là-bas, c'est la femme. Ouais, c'est une arnaque. Ramène à manger. Non, c'est une arnaque.
Elle comprend le pshat, elle est contente, mais non, c'est une arnaque. Non, même quand tu vois les Mefarshim, tu as déjà fait cette paracha dans Michelet. Même quand tu vois Echetraïl, tu as les Mefarshim là-bas. Il ne faut pas faire Echetraïl avec les Mefarshim. La femme, après, elle ne va plus préparer le truc. Ouais. Tu as Echetraïl. Echetraïl. Ça, donc c'est par donc Perek, Perek Lamed Aleph. C'est dans le Perek Lamed Aleph. Tu vois, et il y a marqué. On regarde là-bas, on ouvre le Mefarshim. Ah, il me fatigue. Tac, et ça, ça. Voilà. Echetraïl, l'arnaque. Il y a marqué comme ça. Omer Midrash Michelet, Mazéchetraïl Mimsa, Zou I a Torah. C'est un machal par rapport à la Torah, il dit le Midrash. D'accord ? Et de une. Ensuite, Even Ezra, lui, il prend par rapport à la femme elle-même. Donc, elles aiment bien Even Ezra, les femmes. Ah, sympa, le Metsoda David. Ça, on est dans la conclusion du Sefer Michelet. Il dit que Khatimo, les Sefer Moussari, attends, Khazar, les Chaber, et Chetreil, Irvod, Imo, Mamon, Mamon, les Maneyot, là, les Zikaron. Ouais. Le Malbim, Gvar Eskimu, Mefarshim, Shesh, Bema, Marze, Machal, ou Melitza, Verubam, Pirchou, Nefesh. T'as vu? Vel Daati, Vechen Daati, Beze. C'est un Machal sur le Nefesh. T'entends? Il dit, beaucoup de Mefarshim ont expliqué que, comme ce qu'on voit dans la Gemara. C'est un Machal sur le Nefesh. T'entends ou pas? Fermasbir Malbim. Alors, il fait tout un hidouche, le Malbim, sur ce qu'il y a différents types de nefesh. Par rapport à quel nefesh on fait allusion, je ne vous lis pas ce qu'il dit. Très bien, on continue. Quoi ? Tu peux continuer à chanter, elle est contente, la femme. Non, pas chanter, elle pensait que c'est un idéal, quoi. Je sais qu'il y a rien de l'autre, il savait que c'était là. Ouais, il faut voir le chapitre d'avant, le chapitre d'après, c'est toujours pareil. Il faut être Doresh Smichut, il faut voir Bémet, faut s'inspirer de voir. Donc, non, il faut voir, non, parce que dans Michelet, le problème de Michelet, c'est que c'est des machalim. C'est le problème de Michelet, c'est que tout est machal. Des fois, on parle de la femme adultère, c'est le Yetzer Hara ou la Vaudazara. Tout est machal. Si tu me dis ça maintenant dans un autre livre, je veux bien, mais. Michelet, par définition, on parle de réalité de la vie commune, ouais, pour nous faire ressentir des notions plus profondes. C'est ça, Michelet. Tu comprends? Donc maintenant que ce machal, il correspond à une réalité vraie de la femme, je ne dis pas le contraire, mais qu'il a voulu faire une éloge de la femme, pas vraiment, il a voulu faire l'éloge de quelque chose en prenant l'éloge qu'un mari devrait faire pour sa femme. Mais donc on apprend là indirectement l'éloge qu'un mari devrait faire pour sa femme, ou le fils pour sa mère, je ne sais pas. Ouais? Indirectement, mais maintenant, quelle est la kavana de Shlomo HaMelech ? C'est un éloge, il est féministe, ou non, c'est quelque chose qu'on devrait faire, mais lui, il l'utilise pour un autre domaine. Donc, normalement, alors, je ne sais pas, qu'est-ce qu'on fait ? On continue, ou bien on fait un sujet à part, comme on a l'habitude de faire ? Alors, Julien, il dit, c'est quoi le sujet à part ? Ça, qu'est-ce qu'il demande en général ? Ouais, ça dépend, il m'a dit. Voilà, c'est toi qui pose cette question d'habitude. Ouais, non. On passe à demain, ils sont contents les autres. Arrêtez l'enregistrement.